Salamat Pagi! Bonjour les filles et bonjour les gars! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Penang. Et avec mon petit thé pour bien démarrer la journée. Sachez qu'aujourd'hui je suis hyper fatiguée, je me suis couchée extrêmement tard hier soir pour ne pas vous dire 5h du matin pour monter la vidéo de Supergirl. Donc j'espère que vous irez la voir. Donc là, programme de la journée, on va aller visiter le National Park. Je prends mon petit déjeuner et on se retrouve à la station de bus pour aller voir les tortues. Allez, je vous retrouve comme prévu en direct du bus pour aller de mon hôtel au parc national. J'en ai pour 1,40 à 7 km. Le bus, c'est vraiment, quand vous pouvez, le meilleur moyen de transport, le plus économique. Allez, je vous montre un petit peu mon itinéraire, celui que je vais prendre. Je démarre ici, hop, je vais me faire un petit pont, je vais me faire le deuxième petit pont, et je vais passer ici, hop là, hop 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 hop, pour arriver sur les tortues. Voici quelques espèces répertoriées ici, que je risquerai de croiser. J'aimerais bien croiser une sorte de vipère ou un cobra peut-être. Et cette araignée-là, franchement, elle est magnifique. C'est compliqué de la voir, hein. Bon, vous voyez, ce sont de très très belles espèces, pas du tout dangereuses. Et attention, j'ai croisé une espèce très dangereuse, un puma. Un puma sauvage. Je vais aller me cacher, je risquerai de me faire attaquer. Salut petit puma. T'es un puma miniature, toi. Je vais rentrer dans le Jurassic Park. Allez, go! Welcome to the jungle! De retour dans un trekking dans la jungle, attention, très intrépide. Là, je suis dans une zone vraiment dangereuse, je risque de croiser un prédateur. C'est déjà super agréable, l'ambiance a tout de suite changé et je m'y plais bien. Alors là, il y a une énorme toile d'araignée, je vais essayer de guetter quand même. J'aimerais bien trouver un petit peu des espèces à vous montrer. Donc je vais poser mes yeux un peu partout. Il y a des champs d'oiseaux, c'est impressionnant. Allez, je vais essayer de rester vigilante un petit peu à tout ce que je peux trouver pour vous. Vous avez vu, ça y est, ça grimpe. Alors les marches, elles sont dans un super état, mais ça reste pratique. En plus, vous avez une petite corde sur le côté. Je ne vous ai pas menti, on est vraiment dans Jurassic Park. C'est bon les fruits? Oh, tu te régales? Tu fais la pause? T'es jolie toi. Tu te fais des dents toi. Il fait chaud. Vous voyez, je transpire partout. Alors, à l'entrée, je vais vous expliquer un petit peu. J'avais l'opportunité d'aller ou à droite ou à gauche. Donc la plage aux tortues ou la plage aux singes.
Et je vais vous dire pourquoi j'ai préféré prendre la plage aux tortues. Parce que le trek, si vous voulez, la marche, elle est en forêt, en jungle. Tandis que l'autre, elle est au bord de plage. Pour ceux qui commencent à me connaître, je pense que vous vous en doutiez. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Patrick ? Je suis arrivée au bout de mon périple après une bonne heure de marche dans la jungle. Me voici sur la plage aux tortues. Et voici l'endroit où sont stockés les petits bébés dans les œufs. Dans le sable, avec un bon petit repère. Vous avez vu cette belle petite mère à qui j'ai pu caresser la tête là-bas ? C'était trop mignon. Allez, pour le bien-être des tortues. Guillaume, ici je suis en train de signer une pétition pour la protection des tortues. On peut aider les animaux. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est pas une obligation. Voilà, vous avez le choix. Et tout est gratuit. L'entrée du parc est gratuite. Et toutes les destinations, Monkey Beach, Turtle Beach, etc., tout est gratuit.
Je suis maintenant sur le chemin du retour. Cette balade était super agréable. Alors, petite chose, je pensais que les tortues allaient être en liberté. Je voyais écrit sanctuaire de tortues. Je pensais que j'allais peut-être pas en croiser, que ça allait être vraiment dans la nature. En fait, non. Il y a un bâtiment, voilà, avec les tortues qui sont toutes dans une réserve. En tout cas, c'était quand même vraiment cool. Et c'est parti, retour dans la jungle. On reprend une bonne heure de marche. Allez, de retour du National Park, c'est terminé. Maintenant, je vais reprendre le bus pour retourner près de mon hôtel, récupérer à manger, partir en Grabe à la grande station de bus de laquelle je vais passer à repartir sur Kuala Lumpur. Me voici de retour à l'hôtel et vous savez quoi, le gérant est vraiment exceptionnel. Il m'a laissé aller me prendre une bonne douche. Alors là, ça fait du bien, c'est bon, je repars toute neuve pour une nouvelle journée, surtout une fin de journée. Je vais maintenant appeler un Grabe, ça va me coûter comme l'aller 38 RM pour retourner à la station de bus, la grande station qui dessert en fait toutes les grandes villes. Et de là, je vais prendre un bus pour Kuala Lumpur. Là, actuellement, il est 19h, ce qui fait que je ne vais pas arriver avant mon hôtel sur Kuala avant 1h du matin. On se retrouve les amis en direct de la station de bus. Voici le mien, je repars en direction de Kuala Lumpur, donc je vais dire au revoir à Penang. Je vais vous laisser ici, ça va pas être super intéressant, je vais voyager de nuit. On se retrouve par contre demain dans mon hôtel qui est proche de l'aéroport. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. C'est la Matingale. Salut! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner.